Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Dragon Ball Xenoverse 2. Donc on y retourne, le deuxième épisode. On est aujourd'hui en fait, on est le dimanche matin et j'ai toujours pas tourné l'épisode de cet après-midi. C'est là qu'on se rend compte que je suis parfois sur certaines séries en flux tendu. Donc là nous sommes toujours dans le hub USB, donc plus Tokitoki mais Cotton City. Il me semble qu'on avait acheté des compétences. On avait acheté des compétences vendredi, il faut que je descende avec cette touche. C'est celle-ci, on avait acheté des compétences ici, modifier les techniques, je sais plus si on les avait équipées. Voilà, on ne les avait pas équipées. Là par exemple le Kamehameha, non je préférais le Big Bang. Attention, longtemps l'activation, je sais bien. Du coup on pourrait peut-être la mettre à la place de celle-ci. Hop. Au niveau des attaques ultimes, on a le Big Bang Kamehameha, mais je sais pas si ça vaut le coup. D'un côté à l'autre pendant ton attaque, d'accord. Évasion, j'ai ce qu'il faut. Éveil, j'ai rien du tout. Ok, bon, on est bon. Ici, 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 ici. Image rémanente, c'est cool aussi, ça. Ouais, tant que t'as du... Je peux mettre ça. Ok. On va bien voir. On va bien voir ce que ça vaut. Je me rappelle plus du tout des missions. On avait fait un tour, donc, au niveau de tout ce qui est... Alors, par contre, oui, ce qu'on peut faire, c'est... C'était quelle touche là pour freiner, c'était A. Ok, oui, c'était bizarre comme... Hop, déjà, il y a un truc ici. Prendre, c'était quoi? Lunettes à moustache, ok, si tu le dis. Et il me semble qu'il y en avait un ici, voilà, boutique pété, qui lui avait des choses qui changeaient tous les jours. Ça pourrait être intéressant d'aller voir vite fait ce qu'il a à nous proposer. Technique, l'âme de l'empereur de Namek, point de dragon, putain. Ah, oh, j'ai la haine de pas l'avoir. Non, c'est point de dieu qui m'intéresse, je sais plus moi. Je ne sais plus. Je sais plus si c'est... Non, je crois que c'est Point de Dieu qui m'intéresse. C'est qu'on a vu au tout début du jeu, c'était celle-là. Point de Dieu. Ouais, parce que ça, c'est une attaque ultime. Effectivement. Ouais, non, j'ai raison. J'ai raison, j'ai raison. Vêtements, il gardera toujours. Il gardera un jour, il gardera toujours. Ok. Accessoires. C'est toujours la même chose. Ok, super âme. Ah, je ne suis pas mon frère. Allez, les Kikoa. Non, on n'a rien sur, sur un Namek. Du coup, on n'a pas de truc de régénération. Off. Tiens, je suis à l'écran là-haut. Livraison espace-temps, ce n'est pas la peine. Donc, la mission. Événement d'histoire, quête. Événement de quête. Il y a plein de petites choses. Événement d'entraîneur. On a plusieurs événements d'entraîneur, on va aller les voir. Du coup. On va commencer par ceux qui sont en haut. Hop. D'accord, donc je crois qu'il vaut mieux que je... Ouais, ouais, il faut mieux que je freine tout le temps. Hop. Hop. Ce machin-là, en fait, c'est de la ligne droite comme déplacement. Hop. Il n'y a pas un là, normalement? Un peu plus loin. Piccolo! Piccolo! Ah, tu donnes quoi, toi? Tu travailles dur, n'est-ce pas? La patrouille galactique est très connue, tu sais. J'ai toujours su que tu... Ha ha ha, oublie, j'ai rien dit. Tiens, tu peux prendre ça, fais-en bon, bon usage. Capsule descente, tu veux me remercier? Pff, ce n'est qu'un objet, n'en fais pas tout un plat. D'accord. Et je peux monter encore plus haut. On va pas y aller, on va y aller à pied pour l'instant, hein. Ça va être aussi bien. Et ici, c'est Yamcha. Donc, ni l'un, ni l'autre... Tout droit. Il suffit d'aller tout droit. Ça tombe bien. C'est ce que mon véhicule sait le faire de mieux. C'est bon. Tout droit, je sais le faire. Non, freine. Merci. Krillin. Non plus. Pour l'instant, le meilleur de tous ceux que j'ai vu, c'était Piccolo. Et j'ai pas forcément envie de prendre Piccolo. Par contre, il y a une quête ici. On va quand même aller voir les différents... Hop. Donc, à gauche. C'est par là. Si je monte, je devrais pouvoir le trouver. Hop. Il faut que je passe par où? Par là, toujours. En tout cas, elle est sympa, la ville. Hop, freine. Bon, le mode de déplacement est assez moisi. Oh là là!
comprenez pourquoi je dis qu'il est assez moisi. Et là, c'est Tenshinhan. Eh ben, on va retourner prendre Piccolo parce que le Makenko de sa pose, c'est la vie. Oh là là, t'es sérieux quand tu me dis ça? Makenko de sa pose! Hop. Quand on aura un bon gros Vegeta ou un petit Trunks, ça peut être sympa. Moi, j'aime bien les... Oh, mais non! Il est nul, ce véhicule, en fait. Vous savez pourquoi, en fait, s'il se déplace de cette manière, moi, je sais pourquoi, c'est parce que c'est à cause du manga, hein, de son origine dans le manga. Même si, là, vous pouvez voir en dessous des trucs qui permettent de le faire voler, parce qu'il faut qu'on le transforme en véhicule, littéralement. Hein. En fait, quand Tao Pai Pai l'utilise... Il le projette dans... En fait, il lui donne un coup de pied dedans, il lui saute dessus, puis il attend qu'il vienne se reposer au bon endroit, quoi. Il sait exactement où est-ce qu'il va se poser. T'as en train de donner des épreuves à accomplir, tu peux ainsi gagner leur respect afin qu'ils t'enseignent de nouvelles techniques. Encore une famine qui me demande de l'entraîner. J'espère que tu voudras le coup. Si tu connais un minimum l'histoire de la Terre, tu dois savoir qui je suis. Si tu veux apprendre à te battre, je t'aiderai. Mais ne va pas croire que ce sera facile. Si je t'entraîne, il n'y aura que deux possibilités. Ta puissance augmente ou tu meurs, c'est tout. Tu ferais mieux de renoncer tant que tu peux, après il sera trop tard. Regardez-moi ça, tu dois être masochiste pour me demander de t'entraîner. Avant de t'entraîner, j'aimerais voir de quoi tu es capable. Affronte-moi, je jugerai de ta valeur afin de voir si tu es pugnace. Si tu es pugnace, si c'est de l'idiotie. Il y a des manques de ponctuation ou des problèmes de mots. Terminer la leçon d'entraîneur, disponible en catégorie facile, temps 15 minutes. C'est bon. J'ai pas regardé la deuxième page, je suis désolé. Merde. Chier. Une session avec Piccolo. D'accord. On voit un Kiko puissant qui couvre une large zone. Maintenant, la tour permet d'augmenter la puissance de la technique jusqu'à 3 fois. Bon. Ouf! Hop! Hop! Pourquoi j'ai pas mes techniques à moi? Hop! D'accord, alors je vais réessayer, mais cette fois-ci, hop! Hop! Ça passe pas trop mal! Bon bah voilà! Il aura pas été très dur à battre, hein. Si la cam n'est pas au bon endroit, je la mettrai en bas à droite. Attendez, je vais la remettre en bas à droite. Ok, re, chers amis, bon, on y va. Explosion maléfique, d'accord, pourquoi pas. Je crois que c'est vous avez un... qui fait comme ça et que ça fait... je crois que c'est ça, hein. Ça fait une espèce de vague d'énergie, c'est sympa. Ou alors c'est celle qui est toute proche, une espèce de shotgun, en fait, littéralement. Ta puissance n'est pas négligeable, très bien, je vais m'occuper de toi. Je tiens également à m'excuser, j'ai été sévère avec toi car je voulais tester ta détermination, et ne te détends pas pour autant. Je te disais la vérité à propos de la difficulté de mon entraînement, je vais te préparer au combat d'avenir, et tu vas t'entraîner plus dur que jamais. Oui, bah écoute, j'en doute pas. Mais du coup, si tu décides de faire entendre ton maître, celui-ci pourra venir t'aider pendant les quêtes. Tu peux également améliorer la relation que tu entretiens avec lui, ainsi débloquer de nouvelles conversations et obtenir des cadeaux. Tu peux consulter ton niveau d'amitié avec ton entraîneur en sélectionnant les données de jeu depuis le menu du hall, puis en sélectionnant les infos entraîneurs. L'amitié augmente en partant en quête avec l'entraîneur, en leur parlant quand tu reviens à Cotton City et en portant certaines tenues. Traite bien tes entraîneurs et ils s'occuperont bien de toi. Sois mon maître pour l'instant. Je pense que de toute façon tu es le personnage le plus utile pour l'instant du jeu, hein, entre Tenshinhan, quoi qu'il y avait Krillin, tu me diras, mais... Krillin et utilité, c'est bien deux mots différents. Donc. Nous avons un événement de quête, je suis curieux de voir ce que c'est. Allez, tourne, c'est bien. J'ai eu peur de me prendre, vous savez, l'escalier en... Hop. Ah bon? C'est pas sur la touche sur laquelle j'ai... Bon. Ah! Je suis trop mauvais, je peux pas passer au-dessus du... Ok. Sanud. Bonjour. Bonjour, Issos. Des gestes disponibles. Nanana. De plus, certains gestes sur des policiers du temps entraînera une réponse de leur part et tu pourras apprendre de nouveaux gestes. D'accord. Si c'est le cas, alors montre-moi ton respect d'une belle révérence. Tu n'auras pas... Révérence. Salon, cherche une équipe, nanana.
C'est pas... Ça, c'est du chat, c'est pas des... Ah, là, voilà. S'allonger, faire le mort, pose spécial, j'ai gagné malade, quoi, non, désespoir. Pouce levé, applaudir, méditation, rassemblement, envoyer un bisou, pose d'élite, frappe très révélatrice. Voilà. J'ai maintenant utilisé danse du vieux Kaioshin. What the fuck. C'est ici, pardon, excusez-moi. Hop. Danse bingo. Arrête. Arrête, ça vaut mieux. Ouh là là. Pouah. C'est à toi qu'on a confié cette mission critique, j'étais largement au-dessus de toi en classe, rien ne presse, mais je voudrais vraiment que tu te défies pour voir à quel point tu es coriace. Considère ça comme des travaux pratiques, et ne te retiens pas parce que je suis une femme, moi je ne le ferai pas. Allez, donne tout ce que tu as. Combat de policiers du temps, tu recevras parfois des défis de la part des policiers du temps auxquels tu parles à Cotton City. Cotton City, pourquoi je dis Cotton? Cotton City, bon si vous le dites. Des adversaires puissants te récompenseront d'un grand nombre de points, vaincre un policier du temps plus particulièrement puissant pourrait même te rapporter une Dragon Ball. Oh! Oh! Ça me plaît ça. Je suis tellement plus stylé qu'elle. Enfin bon, c'est pas grave. Dis-moi que je vais pouvoir garder mes attaques. Oui, je les ai cette fois-ci. Par contre, tu peux verrouiller l'ennemi. Hop. Hop. Ok. Ah, j'avais oublié que j'avais ça. Et je peux pas utiliser mes attaques spéciales. Parce que j'ai pas assez de ki sur moi. Hop. Ah bah alors le Kamehameha. Hop. Ah. Boum. Le Big Bang. Ça fait du bien par où ça passe. Pourquoi? Mais non, elle sort vite de mon champ de vision. T'as pas un petit Kamehameha? Boum. Ça c'est fait. Mais il est nul ce Kamehameha. Bon, rien ne vaut un Big Bang. Voilà, c'est bien ce que je dis, rien ne vaut un Big Bang. Par contre, j'ai pas assez de ki pour utiliser mes techniques spéciales. Victoire! C'est bon. Victoire, ouais, un KO, oui, d'accord. Ah, oui, j'ai quelques points à mettre, effectivement. Oui, j'ai quelques points à mettre. Bon. Alors. Ta force n'est donc pas une invention. Quel combat formidable. Il y a beaucoup de policiers du temps à Cotton City. Vraiment falloir que je corrige ça. Si tu vas les voir, ils pourront te proposer un combat. Les combats t'aident à acquérir de l'expérience nécessaire. Si tu gagnes, tu peux même obtenir quelque chose de spécial. Essaye de parler à un maximum d'entre eux et continue de t'entraîner dur à côté. Ben voilà. Une Dragon Ball, ça c'est fait. Donc, les points. Personnalisés. Attribut. Donc, pour commencer, je vais avoir besoin de ki supplémentaire. Je vais en mettre déjà 5 ici. Et 5 là. On verra pour le reste. Non, je vais en mettre 6 ici, 10 ici. Je vais en mettre 10 ici, on va voir si c'est suffisant. Et le reste, je le garde. C'est joli, il rentre dans un menu pour... regardez, il y a un menu en fait virtuel qui lui apparaît devant le nez. C'est sympa, j'aime beaucoup. Modifier l'équipement, est-ce que j'ai autre chose d'ailleurs? Uniforme de policier du temps, d'accord, j'ai que ça finalement. D'accord. Lunettes à moustache. Ah non, je vais pas mettre ça, non, je suis désolé. QQ Bang, je sais pas ce que c'est, une super arme, je sais ce que c'est. Le QQ Bang, j'ai un doute sur ce que c'est par contre, cela dit. Ok. Le vieux Kaioshin est là pour une... Un bureau des examens, pourquoi tu me... Salut, t'es pas très loquace, hein. Tiens, bonjour, ta bonté est appréciable. Je surveille les examens de ce centre, tu peux m'appeler testeur. Tu peux expérimenter ici les styles d'enseignement des meilleurs entraîneurs de l'histoire. Certains entraîneurs exigent un certain niveau, tâche d'y penser. Mais ne t'en fais pas, régulièrement il te sera proposé de passer un examen. Lorsque tu es en mesure de passer un examen, viens me parler, d'ici là, amuse-toi bien. D'accord, ok, si tu veux. Vieux Kaioshin, on y va. Bienvenue à l'académie de police. Ici tu peux apprendre les bases du combat avec les enquêtes, avec les quêtes de défis du vieux Kaioshin. Tu peux aussi améliorer ton niveau avec les quêtes d'examen. Les guerriers deviendront des entraîneurs et t'apprendront de nombreuses techniques. Il existe également d'autres entraîneurs à Cotton City, donc n'oublie pas d'aller les voir. Tu peux augmenter ton niveau d'entraînement en réussissant des quêtes et en suivant des entraînements.
Une fois que tu as suffisamment progressé, les quêtes d'examen deviendront accessibles. Réussir ces quêtes te permettra de changer de catégorie et d'obtenir ainsi l'accès à de nouvelles techniques et de nouveaux entraîneurs. D'accord. Ça t'impressionne. J'ai tout mis en œuvre pour préparer pour vous les policiers du temps. Apprends bien, apprécie tes entraîneurs et ils ont beaucoup de sagesse à te transmettre. Pardon. Tu dois gagner en puissance, utilise bien l'académie pour améliorer tes techniques. Bah écoute... Ce symbole là c'est quoi? Quête défi? Apparemment c'est ça. Ça s'appelle défi, ça m'intéresse. Piccolo, t'es arrivé là? Ah oui, il est arrivé là. Excellent. Bah écoutez, on va faire une petite quête défi. Oh. On a déjà fait tout ça, non? L'art du combat. Terminer le défi, projection en arrière. D'accord. Ah! Est-ce qu'on peut savoir ce qu'on y gagne ou... Bon, on va faire tous les défis, hein, c'est pas grave. Hop, projection en arrière, facile. Tant que les chargements sont pas trop longs. Crac. Projection en arrière, facile. Terminer le défi de l'entraîneur, abandonner le défi. Débuter le combat. D'accord. Utilise Y et B pour repousser ton adversaire. Attaque en compte pour peut-être exécuter quand tu veux. Les adversaires récupèrent plus lentement après ces attaques. Une fois l'ennemi repoussé, appuyez sur A pour le suivre, pardon. Ensuite X ou Y pour lancer notre attaque. C'est une façon efficace d'enchaîner plusieurs combos. D'accord. Démonstration. Ah, d'accord. Alors quand je faisais... Bah... C'est quoi la différence avec X et A? Si tu veux. Je sais pas si j'ai mes barres à moi là pour le coup, mais... Si c'est mes barres à moi qu'on a là-haut en ki, c'est sympa. On a récupéré vraiment beaucoup de ki. Par contre, c'est au niveau de... Non, ça doit pas être mes barres à moi parce que j'ai pas augmenté mon endurance. Ok. Oui, enfin bon, t'aurais pu faire la suite aussi. Hop, par contre c'est tellement plus stylé quand c'est moi qui le fais. Allez. D'accord. Mais je vois pas la différence avec le... Ah si, si si, la différence c'est que quand je fais A avec X et A, je me téléporte. Hop, là je le poursuis, d'accord. D'accord, d'accord. Donc là, je garde sûrement beaucoup plus d'endurance que prévu. Mais je me ménage pas. Enfin, bon bah voilà. Est-ce qu'on gagne des choses? À part des zénis et peut-être de l'XP. Je pense pas. Dommage. Alors remarque, on a peut-être besoin d'XP en début d'aventure. Comment est-ce? L'entraînement était bon, tu peux entraîner autant que tu veux. Bah écoute. Oui, ça j'ai déjà tout lu, hein. Projection en arrière à terminer le défi. On va bien voir. S'il y a une différence véritable entre intermédiaire et le reste. Est-ce que c'est pas un combat peut-être? Je ne sais pas. D'accord. YB pour contre l'ennemi que tu viens de repousser avec une série d'attaques. Ah, d'accord. D'accord, montre. Ah oui, alors là c'est pas pareil du tout. Ça te projette là où l'ennemi va être emmené. Enfin, ça te fait aller là où l'ennemi va être emmené. D'accord, ok. Ah oui, c'est encore plus technique pour le coup. D'accord. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est qu'il peut très bien, s'il se remet, partir loin. Ouh, je comprends. En fait, c'est pour ça. Ça doit consommer rien du tout, en fait. Parce que c'est beaucoup moins... Vous voyez, par contre, là, si on peut faire du... Si on peut faire du ping-pong aussi, ça va être rigolo. Ah, dommage, je voulais repartir. Mais ouais, ça peut, en fait, ça peut être contré par rapport à l'autre avec XA. Ping-pong. On va l'appeler ça l'attaque ping-pong, hein, regardez. Hop, poum, hop, poum.
Ça consomme un petit peu de ki apparemment. Il avait pas tout son ki, ou alors il a pas une barre complète de ki la dernière barre. Il a pas une barre complète. Ah, j'ai fait le con. Je suis mauvais. Ah, mais je suis mauvais. En fait, j'attends qu'il arrive. Voilà. Ok. J'étais mauvais sur la fin. Est-ce que j'ai le rond Z? Mais je me ménage pas, je te dis! Piccolo! Je te dis que je ne me ménage pas. Victoire! Rang Z, c'est bon. On gagne quelques unis, c'est pratique. Oui, je sais ce que tu vas dire, je l'ai déjà lu. Tu te tais, s'il te plaît. Oui, voilà. Hop. Alors, projection arrière avancée. Je voudrais savoir ce qu'il va me dire d'autre. Au final, c'est un tutoriel avancé, c'est sympa parce que ça va diversifier les combats un petit peu, si vous voyez ce que je veux dire. Terminer les fils d'entraîneur, oui d'accord, bon bah écoute, vas-y. Oui, oui, bah écoute, y'a pas de soucis, mais d'abord, allons-y. YB. D'accord. Je le connais ça, je viens de le faire. Ah, d'accord. Mouais. C'est un peu obvious en fait comme truc ça par contre. Allez, à mon tour. Oh non, alors là non. Bah, je le fais. Ah, parce qu'il y a un délai. Il y a un délai, sinon le personnage apparemment accepte, enfin utilise plutôt le ki. D'accord. Pourquoi pas. Le maître vient de se chier. Il vient de se chier en fait. Réessayer. Il vient de se chier. Piccolo vient de rater et il veut pas admettre sa défaite, chers amis. Trou du cul. Allez, vas-y. Vas-y, Piccolo. Vas-y, vas-y. Cause. Et te foire pas cette fois. Allez! Voilà, c'est bien. Si trop fort sur la deuxième, on va pas être copains. Allez, à moi. Ouais, c'est bien ça, il y a un délai. Il y a un délai. Allez, te foire pas, Piccolo. Te foire pas! Bien. Pauvre homme, il s'est foiré. Ah là là, à mon tour. Donc c'était quoi? C'était oui, d'accord. Oh. Oh, salaud. Fallait que j'aille plus vite. Ah, je suis allé trop vite. Mais... Ah, mais je vais trop vite! Mais merde! Mais non, c'est pas ce que j'ai fait. Oh, mais. Mais je! Mais non, c'est pas ce que je dois faire. Merde! Je suis mauvais! Mais qu'est-ce que tu fais? T'étais bien parti!
Mais c'est pute! Mais c'est pute! Il s'arrête avant! Mais ah! Il s'arrête avant que je puisse le frapper! Mais j'appuie sur les deux touches, hein, cher ami. Mais... Ah non, ah non. Mais non, mais Marcus, réchefli. Ah! Hein? Bah. Mais. Pourquoi tu valides pas? Oh! Mais! J'appuie sur. Mais non, mais c'est même pas sur ça que j'appuie! Ah! Oh. Mais alors là, non! Alors là, oui, j'ai fait de la merde! Mais non! Mais. Ah oui, là j'ai fait le con. Là je reconnais que j'ai fait le con. Allez, Marcus. Mais. Ah oui, mais alors là. Mais non, mais. Mais alors si j'attends, il me baise. Non, alors là non, je suis désolé, je l'ai fait comme il faut. Mais merde. Non, 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 faut pas exagérer non plus. Non, 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 non. Ça y est. Oh putain, faut être tendu, hein. Fou. Sinon le monsieur il se remet. Oh, c'est pire encore. Bah lui il arrive bien, hein, sans pépin, hein. Heureusement que la musique est pas trop mal là, hein. Alors, on y va. What? Mais le frappe pas! Ah, il va me le refaire. Non, 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 non. Je suis désolé, j'ai appuyé sur le bouton. Ah, mais non! Je me suis planté. On s'en fout. Non, 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 non. Là, j'ai fait le truc. Bon, piccolo. Allez, on y va. Concentration. Non, 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 non. Je le fais, la touche de direction. Mais pourquoi tu t'arrêtes? Alors non, mais j'appuie sur la touche. Mais. Je le fais, hein, cher ami, je le fais, c'est terrible. Bah, pff, le suis pas surtout. En plus, il a deux doigts de crever. Mais merde! Je le fais, mais. Vous voyez, regardez,
Quand je le fais, regardez, il charge le Kikoa, vous voyez. Ça, c'est la charge du Kikoa, l'espèce de d'aura. Voilà. Et là, je viens juste de lâcher Y et B, hein. Et je le fais! Mais j'appuie 36 fois! Oui! Ah, je veux mourir maintenant, c'est bon. J'ai réussi mon entraînement. Si j'ai pas le rang Z, il faut que je le refasse, ça va pas le faire. Psychologiquement, j'ai souffert là, chers amis. Psychologiquement, j'ai souffert. J'ai le rang Z, c'est cool. Ah, je gagne donc bel et bien de l'XP, ça c'est cool. Le score donne de l'XP, ok, c'est cool. Ça c'est cool. Le problème c'est qu'à l'heure actuelle, je vais pas mettre de points parce que je ne sais pas du tout où sont allés les points actuels. Quelle quantité de ki j'ai par exemple, etc., etc., etc. Comment était-ce? L'entraînement était bon? Tu peux t'entraîner autant que tu veux. Oui, bah écoute, on va en faire encore. Hein. C'est tricky quand même. Garde parfaite. Ah, oh, je déteste ces trucs parce que j'ai jamais le bon timing. J'ai beau avoir des années de musique dans le dos et j'ai jamais le bon timing, donc c'est problématique. Vas-y, fais péter. Mm-hmm. Effectue une garde parfaite en te protégeant juste avant qu'une attaque ne te touche. Une garde parfaite te redonnera une barre de ki et retirera une barre d'endurance à ton adversaire. La garde parfaite permet de dévier les Kikoa. Tu peux aussi dévier un Kikoa automatiquement en te déplaçant dans sa direction. Vas-y, fais péter. Ouais bah vas-y, montre, fais péter. Démonstration. Stylé, hein. C'est carrément stylé comment qu'il est balèze. Vous imaginez si l'IA finit par être comme ça. Parce que techniquement, s'ils arrivent à le faire pour un entraînement, ils peuvent le faire aussi dans le vrai. Hein. D'accord. D'accord. Ah oh, putain. Deux. Putain. Trois. Quatre. Cinq. Eh bah c'est dur, hein. Je peux vous dire que la concentration elle est à 100% là, chers amis. Hein. Oh non. Et le mec il va continuer pour celui qui pourrait juste renvoyer la balle à chaque fois. Non, il va continuer à l'envoyer pour se la recevoir dans la tronche. Dégage. 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 Arrête de me taunt, c'est toi qu'on voit pas les balles assez vite. Voilà, je réponds à son taunt, je m'en prends une dans le nez. Quelle horreur. Ne te ménage pas, même en entraînement. Mais oui, je suis au courant, merci. On joue à la baballe. Alors je suis déçu parce que les décors distants sont très très moches et les textures de certains décors aussi sont très très moches. Il était mieux sur d'autres aspects la dernière fois, je trouve, enfin, sur le premier Xenoverse au niveau des textures. Regardez, là je trouve ça assez moche. Hein. Je sais pas, peut-être que c'est mon avis, hein, mais je suis pas convaincu par les textures des fois. Comment était-ce? Oui, donc je connais déjà ce que tu vas dire. Allez, l'entraînement numéro 2. On va faire la garde parfaite avancée. Attention derrière, c'était quoi ça? Hop. Alors, la suite. Mmh. Allez, vas-y, fais péter. Garde parfaite, donc ça c'est la même chose que j'ai déjà lu. D'accord. Oh putain, il va falloir qu'on les enchaîne. Oh merde.
Oh putain, c'est douloureux psychologiquement. Ils changent le rythme. Ils changent le rythme. Le piccolo change le rythme. Ils changent le rythme. C'est une saloperie. Je le déteste. Ah, c'était... Oui. Non. Ah, ouf. J'ai cru que c'était 20 à la suite derrière. Oh là là. Oh là 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 là. Oh, c'était dur. Oh, psychologiquement, c'est juste infaisable. Trois gardes précis, j'en ai fait 10. Si ce n'est pas plus. Oh là là. Allez, fais péter. Oh, c'était dur. Psychologiquement, j'en chie, là, pour le coup, là. Passer un examen à la criminalité de police. Oh, bah attends, d'abord, on va faire tous les trucs. J'ai vu qu'il en restait un. Attention derrière. Il y en a combien au total? Il y en a 13. Donc si j'en fais 7, j'en aurais fait plus de la moitié. Ça peut être sympa. Oh non, je vais avoir le hockey. Oh putain. Faut que je m'en retienne. C'est parti. Qu'est-ce que c'est ton entraînement? Par derrière. Appuie sur X ou Y en utilisant pour faire cliquer ton personnage. On est d'accord. Profitez de ta gagner. D'accord. Oh, un mec qui apparaît derrière moi, en fait, je peux faire CLA dans la gueule. D'accord, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh, ça aurait été tellement stylé, un petit coup de coude de par derrière. Remarque, il y en a qui doivent le faire. Vas-y. Encore faut-il qu'il m'attaque? Hop. Désolé. Mais Mais tu viens me faire la peine de te téléporter derrière moi? Démonstration, d'accord. Joli. Ah, c'est pas mal ça. J'aime bien. Boum. Je t'ai vu venir. Je savais que c'était à cette attaque-là qu'il allait se téléporter. C'est la fin de l'entraînement. Oh bah non.
T'es trop rapide celui-là. Bon, c'est pas grave. Un petit peu trop rapide à mon goût, mais bon, pourquoi pas. De toute façon, faut pas que j'y passe trop de temps au niveau de l'épisode, parce que sinon j'ai pas le temps de le monter et de l'uploader à temps. Et j'ai d'autres vidéos à tourner cet après-midi, malheureusement, et si je veux faire un live dans la soirée, ce serait cool. Heureusement que le week-end est prolongé, du coup je peux peut-être décaler un peu tout ça. Enfin, j'ai décalé un peu du coup. Ok, et bah écoutez chers amis, du coup moi c'est là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Donc vous trouvez le lien dans la barre de la chaîne. N'hésitez pas aussi à cliquer dans le descriptif de l'épisode, mon partenaire Gamespen.com qui va gracieusement faire le jeu. Et je les en remercie, quant à moi je vous remercie d'avoir laissé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens. Et yo, il faut que je trouve le bouton.